Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière aux Vikings, la carrière 3 joueurs. Donc, j'avais expliqué déjà quelque chose, pourquoi il n'y a eu que 3 matchs lors de l'épisode précédent. Parce que le quatrième match, qui était le match d'Ogunsund, eh bien il était enregistré, mais il n'a pas pu finir de s'encoder dans l'enregistrement parce qu'il y a une certaine personne qui a décidé d'appuyer sur ma commande générale du réseau électrique et du coup ça a éteint tout. Tout le PC, toutes les télés et tout. Et du coup, ça n'a pas enregistré. C'est bien sûr la personne qui se tapette derrière avec sa mèche blonde qui a fait cette grosse erreur. Donc, il n'y a pas eu le quatrième match juste parce qu'il a appuyé sur le bouton d'extinction des feux. Bon, on est parti pour quatre nouveaux matchs. Hein. On va essayer de ne pas faire la même erreur du côté de Maldé. Avec du coup, Godset, que l'on va jouer au championnat. On va jouer ODD, l'un des plus gros clubs norvégiens. ODD. Bodø/Glimt, qui performe en Coupe d'Europe. Et Tromso. Et j'espère qu'on va gagner face à Tromso. Allez, c'est parti. Juste avant, vous avez vu les stats, hein. 4 buts, 2 passes D pour Valéric. 2 buts, 3 passes D pour Normans. Et 8 buts, 2 passes D pour Tricheur Maldé. Le prise, c'est la grande attraction de ce match. Avec 4 buts sur les 3 derniers matchs. Il est sur une série assez incroyable. On va voir ça ensemble tout de suite. Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine. On espère. Allez, on est parti pour ce match. Vous êtes bien installés. On va mettre les caméras. Ici Benjamin Da Silva avec Omar Da Fonseca pour vous faire vivre ce match comme si vous étiez au stade. Et on vous emmène tout de suite en Norvège pour ce match de élite sérienne. Viking FK contre Strømsgodset. Et ça s'est loupé, attention, ça passe quand même. Ah, en fait, il profite des espaces donnés par les autres, les appels. Le spectacle est lancé, ça commence fort. Regarde bien, Normans. On revoit le but, plutôt le il profite en fait de l'appel et l'autre il est attiré par moi. Du coup, après, bah, il a plus le temps de revenir. C'est le bruit du ballon qui et la frappe aussi, qui permet de marquer directement. Ça fait mal. 9e but. En 8 matchs. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Vers un départ vers notre championnat pour ce joueur. S'il marque trop, au bout d'un moment, il va devoir partir. Imaginez-vous, 17 ans, c'est sa première titularisation pour ce La première titularisation de Jakobsen. C'est assez exceptionnel comme trajet. Attention à cette frappe. Oh, il est tombé. Quelle équipe, quel réalisme. Allez, 9e minute de jeu, ça fait déjà 2-0. Encore plus de la victoire. Quelle équipe. Ça fait mal. Et voilà, on le dit toujours, le centre en retrait, c'est le centre idéal parce qu'il est très difficile à défendre. Donc le but, il est pauvre. L'action est magnifique. Intérieur, faut que je reste un peu plus à gauche. Allez, ce ballon qui est perdu. Il y a du soutien là pour attaquer. Il va partir tout seul. Ah, c'est récupéré au milieu de terrain. Sur l'adversaire. J'espère qu'il va faire le boulot, le petit jeune là. Eh oui, la bonne passe en profondeur. Allez. Oh. Et j'ai fait 1. Normalement, et boum, bonne intervention là pour dégager le ballon. Le ballon est passé devant tout le monde. Il n'y a pas un qui a su récupérer le ballon. Bah en fait, il était pour Normand, ça. Bien joué, bonne intervention. Bah pourtant, il était trop fort. Maitland. Eh bien fait. Oh, ça passe, il laisse des espaces eux derrière. Il suffit. Long ballon aérien. Et il laisse trop d'espace du côté du SIF là. Oh, attention. Ah, dommage, ballon perdu. Allez, je vais essayer de tacler. Non. Oh, c'est quoi cette passe? Voilà. Maitland. En plein sur le gardien qui s'en empare. On est à gauche. Un ballon rendu à l'adversaire. Il est
terrain et les droits. Maitland. Et ça perd. Ah non, ça conserve. La frappe de loin. Oh là là, c'était un petit peu trop ambitieux là. Le DG il aille dessus. Ouais. C'est coupé. Bonne intervention. Ouais, bon travail du milieu de terrain. Et l'action continue, c'est une bonne séquence. Il faut tenter le coup, pourquoi pas. Oh, mais pourquoi. Et c'est donc un corner. A chaque fois, il fait des actions monstrueuses. Corner. C'est juste parce qu'il n'a pas de finition, en fait. Première mi-temps, il faut qu'elle a 56. Cette période de la part de l'équipe qui joue à domicile, elle est. Sinon, c'est de grosses différences. Du coup, ils vont me mettre performance dégueu. Ah non, 8-8. 6. Ouais. T'as beaucoup de pertes de balles, c'est pour ça. Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. Le ballon progresse bien sur cette offensive. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Oh là là, à chaque fois il tombe ça. Il y avait mieux à faire. C'est une bicyclette électrique. C'est un chaud à faire. Parfaite. Tout ça n'était qu'officieux, c'est désormais officiel. Manchester United confirme le bouclage de cette opération. Tout le monde était un peu suspendu à cette décision. Et pour cette équipe, c'est un renfort de poids qui déverrait beaucoup les idées. Oh là là, il y a danger là. Voilà. Encore. Et non, au final, il n'y a pas de danger. Oh, ça c'est quoi ça? Ah non, il est perdu ce ballon. Attention à ce ballon, donné dans la profondeur. Ouais, il part. Allez, en vitesse, après je peux rien faire. C'est au latéral aussi de faire le boulot là. C'est une bonne percée. Ah, il fait pas le café. Hein. Oh, attention, ça va dur. Oh, l'arrêt. C'est vrai qu'il y a un petit jeune, c'est à nouveau dans les buts là. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. On a signé dans l'épisode précédent. On avait signé un milieu qui est un gardien. Un corner qui est bien ajusté. Oh, il fait une parade. Ouais, attends, il est en danger. C'est assez dangereux là. Sur ce corner, ballon renvoyé par la défense. Oh, bonne intervention. La passe est interceptée. On peut l'avoir, il va passer à gauche. Hop, ça dégage. Oh, d'accord. Voilà. Andersen. Ah, il y a sans doute quelque chose d'intéressant à venir pour l'équipe. C'est récupéré, il y a faute. La faute, coup franc dangereux à venir. Soit il y a 2-0, on s'est déjà fait remonter une fois 2-2. Et voilà. Ah, oh, je l'ai vu venir, je voulais tacler comme un porc. Il était déjà trop tard, le mec avait déjà armé sa frappe. Tout le monde s'attendait à la frappe dans le mur et puis finalement, c'est le décalage qui a été choisi pour ouvrir là. C'est du haut niveau là. C'est ça la grandeur de l'intelligence de cette équipe. C'est un but vraiment. Le jeune gardien de but qui encaisse son premier but. Leur coach cherche un moyen de relancer son équipe après ce but. Tiens qu'on en a eu des occasions. Puis cadré. Avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Et vu qu'il y a un manque de finition. Maitland. Ouais. Ono. Le ballon circule bien. Et c'est une frappe. Oh la vache. C'est bien défendu. Oh là là, le contrôle est dégueu. Coup franc, faute signalée ah, par Ah, puis il avait fait main. C'est pour ça qu'il a contrôlé. Ah, latéral gauche, on va l'été de victoire, 17, bon ça diminue. Ça récupère. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. C'est presque fini, mais la compétition c'est d'attendre jusqu'à la fin. Un seul but, ça ne suffit pas pour se détendre. Ouais. Le duel pour récupérer la balle. Ah, il s'est donné en profondeur. Oh, ça fait break. Ce but qui rapproche de la victoire.
Allez, on va gagner. C'était chaud là sur la fin de match. Ils étaient en train de revenir. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Ça part dans le dos. J'essaie de récupérer très bon col, 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 sur cette interception. Ça joue avantage. Il va la passer à gauche. Ah, il y a un bon pressing. Il y aura donc 2 minutes de temps additionnel à jouer. Et trop moyen ce centre dévié dès le départ du ballon quasiment. Ouais, là on a gagné du temps. C'est bon. Le coup de sifflet final, on va encore rester là pour ce match. Et c'est une victoire pour eux. La voilà, la grande attraction de ce match. C'est sa dernière saison, c'est vrai. Mais en attendant, il est titulaire pour ce match. Le coup d'envoi, c'est pour très bientôt. Atmosphère de grand match dans ce stade, c'est vraiment un plaisir. Allez, on est parti pour ce match. Aussi nombreux pour ce genre d'affiche. Benjamin Da Silva au micro pour vous faire vivre ce match. Ce match face à ODD, hein. Un des chocs du championnat. Il y aura le choc aussi face à Bodo Glimt pour cet épisode. Passionnante. Football Club contre Viking FK. Vous savez bien que c'est toujours un plaisir de pouvoir partager. Allez, le face à face. Oh, le tir. Voilà. Oh, voilà, une fois placé. Plutôt que je les essaye depuis le début de saison. Quelle belle manière de débuter ce duel. On revoit ça avec ce duel remporté sur le chemin. Le latéral gauche qui fait enfin une montée pour m'aider. Parce que après, ça me permet d'aller dans l'axe. Faut que je pense à changer les numéros aussi. Hein. Ou alors on termine la saison avec ces numéros-là vu qu'on vient d'arriver et puis on met les nouveaux numéros la saison prochaine. C'est un pluraliste. On est des petits jeunes, on n'a pas le droit d'avoir nos numéros. Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Moi je devais avoir. Pas mon numéro 17. Après, t'as mis le numéro 17, moi j'ai 24. Alors Moons il a un numéro 19, je crois. 15. Le corps en opposition, c'est pas fini. Attention. Avec Varela. Alors, on a vu son nom cité dans les colonnes de pas mal de journaux depuis quelques jours. Son nom est intimement lié avec son club. Attaque. C'est un véritable monument ici. Eh oui, c'est toujours un grand moment national. Oh, pas de but sur cette énorme occasion et toujours un seul but d'écart entre les deux formations. Il va tu vois, et moi, là, en automatique, ils me mettent dans l'axe. Ouais. C'est un ailier en fait qui s'axe. Oh, la frappe au but. On la frappe. Laissez-moi tranquille. Corner. Corner. Et la bonne intervention pour couper net cette offensive. Je suis là. Ouais, c'est bien oh, fait, oh non. Quoi? Mais pourquoi il la prend si c'est pas pour la mettre au fond? Bah ouais. Oh l'offrande. Il le prend devant moi le mec. Il le prend et qu'est-ce qu'il fait? Il le dégage. Mais c'est qui ce mec? Il est contre nous. Faut le vendre à cette équipe adverse. L'équipe a beau ne pas jouer. Non, attention, la perte de balle. Non, Léon. L'arrêt énorme du jeune gardien. Le public ne se trompe pas. C'est une bonne idée. Il nous sauve. De mettre un ballon dans la surface. Oh, la perte de balle plein axe, ça fait faire mal. Attention, attention. Oh là là. Oh, ah péno. Oh là là, le fou. C'est un fou lui! Ouais, grand fou! Ouais, il est bien frappé ce corner! Oh, oh pénalty, non? Évidemment, pénalty. L'arbitre a oh, pénalty! Un coup franc pour nous! Oh, c'est chaud! Le match s'est retourné! En plus, en face, on est à Pumba! Qui est très chaud! Bah, t'as le mec qui rate son face à face là, et enfin qui rate l'immanquable! Puis derrière, l'équipe adverse qui réagit! Oh, attention, ah une perte de balle! J'essaie d'amener, mais il y a un trou au milieu, je sais pas comment ça se fait. Et hop, le danger est écarté. Et là, délié droit qui gagne. Val, vas-y, cours, cours, cours. Avec oh, Barrel. Ouais. Oh, la bonne position. Oh là là. C'est bien repoussé, ça.
Oh les dingueries, toi, les mecs en face, c'est des gardiens, c'est des malades. Oui, c'est bien fait, c'est bien joué. Attention ce tir. Oh, oh, madre mia, mais quoi. En même temps, je crois qu'il a frappe puissante. Hein. C'est phénoménal. Je tire en finesse, ouais, par exemple, il n'arrive pas parce qu'il n'y a pas de finition. Dans les années 2000, avec une trajectoire flottante, magnifique. Ah, dans les lucarnes. Bah, les 2-0, ça les calme un peu. Ça fait donc 2-0 au tableau. Bon, ils perdent le ballon. Je crois que t'as fait faute. Oui, coup franc accordé par l'arbitre sur cette faute. C'est ça qu'il faut faire gaffe avec les gestes techniques. C'est que ça peut mettre une main en fesse. Ah, il s'agit maintenant dans un couloir. Et le ballon part. Allez. Alors on regarde un peu les coéquipiers, ce qui marque pas souvent. C'est Christiansen, c'est pas le jeune milieu de terrain lui. Je crois. Ouais, c'est lui, ouais. Je crois qu'il s'appelle Christiansen. Ouais, c'est lui. Le gardien, c'est Johansen. Peut-être un futur joueur de l'équipe de Norvège. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. En tout cas, 3-0 à la pause. Ça fait mal. Ouais, c'est ça. Ouais, il s'appelle Christiansen. Et le gardien, c'est Jakobsen. Le gardien. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Ils sont du même niveau que nous, à peu près. Oh, perte de balle. Tentative lointaine. C'était un petit peu trop ambitieux. Pas très dangereux, ce tir capté par le gardien. Ah, il va récupérer. Faut vraiment avoir des qualités particulières pour mettre des frappes de loin. Ah, le contrôle du ballon, c'est le plus important, mais là, c'est complètement raté. Cette frappe de loin que je peux mettre, je pense, c'est sur des corners. C'est des frappes lourdes, en fait. Je vais récupérer, ça. Oui, c'est bien défendu. C'est des trucs sans précision. À l'attaque se poursuit avec de l'espace dans le couloir. Oh, la petite passe. Ah, j'étais hors jeu. Oh, la passe était magnifique. Eh, hey, ballon récupéré sur cette action. Bien, sur le. Oh non. Eh, hey, bien fait, quelle ouverture. Ouais, c'est voilà, celui, c'est sa spécialité, c'est des frappes. Offensif. Quand quel il va mettre des frappes, il a presque 90% de réussite. La passe qui vient chercher la profondeur. On la revoit sur ces images, c'est vraiment un. Oh, ça siffle dans le stade. La finition à mi-distance avec cette frappe parfaitement en équilibre qui absorbe toute l'énergie. On la revoit. Ah, attention, Mupenda, Mupenda. Ouais, c'est une transmission interceptée. C'est un ballon de contre. Ça se prend d'Hormones. Il arrive à prendre de vitesse. C'est dire si c'est Deschamps en face parce que c'est pas la qualité de vitesse. T'aurais dû penser qu'à toi. Et des fois, quand ça passe pas, faut vraiment avoir un petit temps d'avance pour pouvoir faire une passe. Ouais, faut que je sois devant, quoi. Attention, la frappe dégagée, derrière ça revient, la parade de Jakobsen. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Ils vont jouer à deux. Essayer de la mettre dans le but direct. Ah, le premier défenseur. Penalty. Oh, la faute des penalty. Et oui, l'arbitre l'a dit. Aïe, 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 en plus c'est le capitaine. Il est expérimenté, il fait faute. Ouais, mais pourquoi? Et le mec, il croit qu'on joue au basket ou quoi? Allez. Oh, j'ai vu le gardien. Ah, c'est un jeune, il n'a pas l'habitude. C'était son premier penalty, je crois. Le premier but encaissé. Il est parti du monde. Non, c'est son deuxième, il a déjà encaissé tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Faut qu'il s'habitue vite là. Faut qu'il fasse trop d'erreurs. Et c'est normal, c'est un jeune. Le contre-pied sur ce penalty est parfait. L'anticipation ne lui a pas permis d'effleurer le ballon. Il a anticipé. Un penalty qui est parfaitement bien tiré. Ouais. Et avec ce but, ça fait maintenant 4-1. Oh non. Le ballon dans la profondeur. Ah, le danger est bien repoussé peu... par le gardien. Tête, récupère. Et voilà un ballon qui est intercepté. Ah, il faut prendre sa chance maintenant.
Ouais. Goal, 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 goal. 5. C'est le record, je crois. On n'avait pas mis encore 5 buts, je crois. Plus 4 au tableau d'affichage. Punition pour l'ONDDS. Ça peut peut-être nous donner un avantage pour essayer de passer de devant. Peut-être premier. Ouais, le goal d'avérage, ça compte. Éliminé sur cette séquence. Et pour conclure, la balle est catapultée dans le but. La force, ce n'est pas incompatible avec la précision et la beauté. Eh oui, c'est dangereux et c'est reçu dans le dos de la défense. Oh, il l'a eu. Ouais. Long ballon aérien. J'avais le temps d'avance. Se soulage. Ouais. Mais le mec, j'ai. Il y en a un qui sort. Bah après, la... je crois que la passe, c'est pas aussi mon fort, donc. Je suis centreur, mais pas passeur. À grosse pression, à la récupération. J'ai dû faire une passe plus forte. Non mais oh l'erreur ouais, c'est ce quoi côté. Ça heureusement qu'il souffle le mec mais le ballon lui a échappé. Des fois ils font des erreurs les joueurs et le remplacement peut avoir lieu. Solomon Owusu. C'est le moyen de marquer, c'est une tête. Déjà 5 buts c'est pas mal. Ouais. Ah, bon, okay. Ah il n'arrive pas à conserver ce ballon. Face à face avec en le gardien. Jeu. Non, ah, j'aurais dû la piquer. Mais alors là, à cette distance, c'est vraiment une parade. Si je l'ai piqué, je pense que ça rentrait. Et nous aurons droit à 2 minutes de temps additionnel à jouer. Et l'équipe reprend la possession. Et bien vu ça, le ballon en profondeur. Laisse-moi passer. Oh là là. C'est son troisième du match. Le coup du chapeau, inarrêtable. Triplé. Quel phénomène. On va avoir le ballon du match. Ça s'en fait mal. Voilà, regardez ça. La passe est éliminée, le défenseur est trouvé. C'est terminé, la fin du temps réglementaire et l'équipe en deux. On est en train de remonter au classement là. Une performance collective parfaitement accomplie qui a permis à cette équipe de produire un magnifique football. Et c'est normal, ils ont pris une sacrée dérouillée. On est chez eux. Allez, on part pour le prochain match. C'est un match décisif dans cette fin de saison entre le leader et son dauphin. On a hâte que ce match démarre. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le voyez, la météo. Allez, on est parti pour ce match face à Bodoglimp. Alors, ils sont leaders, mais ils ont fait match nul lors du précédent match. Et donc, en gros, si on gagne, on passe leader à leur place. Il y a 2 points d'écart. Oh! Quel plaisir de vous retrouver pour ce match. Donc, il faut gagner le match. Vous êtes quand même 5 au minimum, ne pas le perdre. Mais il vous manque encore. Et si on gagne, on passe leader, donc ça serait énorme. Il faudrait déjà. Pendant que c'est un but dès le début. Oh la parade. La parade de Jakobsen. Avec Berg. Attention la frappe. Il se retourne. Un ballon facile à saisir. À la récupération, le duel est oh, le film d'un grill. C'est oh, contré. C'est bien défendu. J'ai voulu me prendre pour un latéral. C'est une erreur. Il y a un joueur qui s'est collé dans notre surface là. Eh, le centre, il y a du monde. Oh non, le centre est trop enlevé. Occasion ratée. Sortie en touche. Oh non. Ouais, ça passe. Allez, Norman, ça. Oui, c'est bien fait. Sans aucune difficulté. Quel dommage. La meilleure attaque reçoit la meilleure défense à domicile. Choc des styles en prévision. Oui, mais plus qu'un choc. Il a touché le défenseur. Entre deux manières d'interpréter ce jeu. La première est dans le protagonisme, l'initiative. Et l'autre dans la réactivité, la détermination. Ah, j'aime quand vous parlez comme ça. L'initiative contre la détermination. On va voir ce que ça va donner. Oh là là, ouais, c'est bien défendu. Physique ce mec. Faute
mais l'arbitre laisse jouer. Avantage. Ballon rendu à l'adversaire. Ah, il est loin. Ah non. Il a tout. Pas de difficulté sur ce ballon. Oh, c'est choc. Ça défend bien en face. Je comprends pourquoi ils ont la meilleure défense. Meilleure défense du championnat, je crois. Avec un peu d'espace sur son aile. Le centre. Oh, et voilà, bravo! Ah, je le dépose sur place là, depuis tout à l'heure. Il m'embête le défenseur droit là. C'était un bon centre, c'est vrai. Mais jamais tu ne dois laisser comme ça le temps de contrôler dans la surface. Et là, en défensive. Et oui, il est très important ce but. Il permet de prendre l'avantage dans ce match. Et il le sait, le coach. Regardez-le, il a tenté 14 buts sur 10 matchs, il va finir meilleur buteur, le mec. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie, donc. Alors qu'il est arrivé au Mercato. Genre d'hiver, mais en fait c'est le contraire là-bas. Mercato d'été. Ouh là là, attention. C'est une récupération du ballon sur cette action. Ah, il nous bloqué. Entre intérieur, intérieur. Oh, dommage. C'est bien rangé. Et je vais me remettre à gauche. Ouais, très bien, la bonne protection de balle. Il y a du monde côté droit. Maitland. Ça passe. Le concentre là peut-être. Attention, allez, allez, vas-y. À l'occasion peut-être ici. Ah mais ils sont 14 dans la surface à chaque fois. Et voilà, donc l'arbitre. Ah, ça défend en bloc. J'ai encore un jaune. Faut que je fasse gaffe, je vais avoir un rouge à force. Le temps de prendre quelques consignes, de changer de côté, voilà le début de la seconde période. Porté. La bonne percée, faut aller provoquer. Oh, faute. Ah, voilà, il suffit de le dire, et finalement derrière le ballon. Oh, la violence. C'est comme ça qu'on m'a blessé une fois sur une autre carrière. L'attaque se poursuit, elle se développe. Oh, il y a une bonne occasion là. Allez. Et but, ça y est. Allez, 2-0 le but du break, 51ème. Son efficacité insolente, 2 buts marqués. On est en train de gagner le choc au sommet de l'élite syrienne. La première division norvégienne. Et à la fin, un zapatasse pour tromper le gardien. C'est un mariage d'amour entre la précision et la puissance. On a du mal à relance. Hein. Ah, il n'arrive pas à conserver ce ballon. Avec Berg. Ouais, la bonne lecture pour stopper cette offensive. Et nous voilà maintenant dans la demi-heure de jeu. Le grand pont de Christiansen. On appelle le long de la ligne de touche. Le centre de Christiansen. La petite passe. La frappe. Le but pour creuser les gars. C'est le bon débordement de Christiansen, le milieu de terrain. Et c'est Adegbero qui a marqué le troisième but. C'est 3-0 face à Bodo Glimt. Ça fait 3 buts à rien au tableau d'affichage. Grandbeck. Ah, il est passé sur ce bon geste. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à continuer. Ça, je pense que c'est la vitesse. Je me fais rattraper. Il y a un gros pressing. Ouais. Oh non, j'avais récupéré en plus. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Bonne progression dans le camp adverse. Ouais, il y a encore du temps, il y a 3-0. Ouais, bien joué le centre parce qu'il y a des bonne défense du défenseur central, ça revient derrière, c'est dégagé. Ouais, mais le danger est relancé. Et la parade de Jakobsen. C'est le moment choisi par le coach. J'ai envie de dire heureusement qu'il est là. Dans les buts. Je trouve qu'il est quand même plus efficace que l'ancien gardien. Le centre, il y a du monde. Oui, c'est bien défendu et donc le ballon est éloigné. Il y a un 3. Peut-être une option pour une contre-attaque.
Et c'est donné dans l'espace, en profondeur. Excellent. Oh, il l'arrête. On aurait dû la redonner à Normouth. Ouais, ouais. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. Et voilà un centre bien travaillé vers la surface. Non, non, faut comprendre. La faute, l'avantage ne profitera pas. Il y a eu foot, pourquoi? Qui a fait faute? Il avait Italie à terre. Hein? Avertissement verbal pour cette fois. Attention à la prochaine faute. Et pourquoi pas? Oui, le ballon vers le point de pénalty. Dommage. Je pourrais pas revenir. La défense, elle est revenue là. L'attaque se poursuit. Oh, oh le tacle! Pas le choix, pas le choix, pas le choix. Ah, c'est un jaune. Ce qu'il faut pas prendre, c'est de rouge. Sinon, tu joues pas le match d'après. C'est de la coupe en plus. Allez, c'est hey, ça. Il y a du Juninho dans ce coup franc. Oui, mais avec l'ancien capitaine lyonnais, ça finissait souvent du bon côté des poteaux. Ça, c'est une mauvaise passe. Je sais pas pourquoi Christensen demande le ballon, il n'y a pas besoin. Oh là là, mais. Oh la parade, toi. Dernier en cas. C'est un fou ce gardien. Le corner. Le coup de tir final, on va donc. Allez, ça s'impose 3-0. Normalement, là, c'est le match de double face à Tromso. La meilleure attaque du championnat. C'est sûr, il y a les séries, le cinéma, les jeux vidéo, les potes, les sorties, tout ça. Mais au-dessus, il y a le football, ce football qui nous accompagne, le foot qui nous procure tellement d'émotions qu'on finit tous par parler comme Omar Da Fonseca. Viva el football, allez là, faites-nous vibrer, transmettez l'émotion, la passion, la pelota. Qui va sortir gagnant de ce choc? On va voir ça tout de suite. On est ravis de s'installer ici pour suivre cette nouvelle affiche dans cette magnifique ambiance. Allez, on est parti pour le dernier match finalement de cet épisode. Face à Tromso. Match du groupe du Danemark, de Norvège. Ensemble qui s'annonce absolument passionnant pour tous les amateurs de foot. Viking FK contre Tromso. Et maintenant, pour chaque équipe, il va falloir se montrer. Et le face à face. Oh là là, ça passe. Avec une attaque, un centre. Ah, ouais, c'est un ballon bien dégagé. Voilà la compo officielle pour cette équipe. Et voilà la compo officielle de cette équipe. Il faut centrer là, là-dessus. Opsol. Le ballon pas cette scène. C'est une bonne récup. Ça va être chaud, mais colle, colle, colle. Ah, oui. Ballon intercepté, bonne intervention. 200. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Oh là là, mec. C'est dégagé, ce ballon. Ça passait, là. Attention à cette frappe. Quelle grosse frappe de l'espace! J'ai vu une comète, j'ai vu une constellation, une beauté, et au bout, un 6 mètres. Très belle frappe de peu à côté. Ah, ça rate pour l'instant, ça passe à côté. Il arrête tout le gardien. Enfin, non, c'est que des poteaux ou des machins qui passent pas loin. Bien, ça a pu être dangereux. Il manque de réussite. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Oh, il a bien eu. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Ça sort, renvoie au cinéma. C'était quoi ça? Je voulais mettre une
peut-être centre en devant. Ça ne fait pas. Allez, récupérer, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que ce... Ça n'y arrive pas pour l'instant. Ça tente des solutions. Ils y arrivent pas. C'est bien fait, la bonne progression. Quand en face, Tromso qui attaque. Tromso, oh, frappe au but. Voilà, le gardien s'impose facilement. Ce ne sont pas vraiment des frappes qu'on voit. C'est plutôt une sorte de... je sais pas. Il faut donner de l'énergie, un peu plus de vigueur dans ce match. Une minute d'arrêt de jeu minimum. Vraie faute. Oh, la première mi-temps, les... C'est quoi ça? Elle est dégueu. Il n'y a jamais faute pour nous, jamais. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps. C'est pareil que je fais un match dégueu. Yacine, ouais, quand je passe à côté, j'ai remarqué que la performance de l'équipe n'est pas... Et c'est le début de cette deuxième. Parce que l'hôtelier fait pas le boulot. Un moment très équilibré, évidemment. Déséquilibre pas assez. Voir si l'une des deux formations va prendre un ascendant. S'il faut compter sur un seul joueur à chaque fois pour faire la diff. Adeng Béron, là, il est nul. Allez, la puissance y était. Oh, comment ça vendange dans ce match. Ouais, là, on est pas. Je crois qu'on est mort, non? Oui, on est fatigué. Parce que d'habitude, ça, c'est un peu mieux cadré, mais là, ok, allez. Parce qu'on enchaîne les matchs de coupe de. On enchaîne trop, ouais. Faut les coller, hein. Je pense que c'est ça. Faut qu'on les colle à 3 dès qu'ils sont dans une position tout seul. Ah, le bloc avance bien, il y a maintenant des options disponibles. Ah, l'action est bien partie et finalement c'est perdu. Je redescends. Et voilà le bon ballon dans la profondeur. Ah non, il est en position de hors-jeu. Sérieux? Je peux pas le donner le ballon avant le mec. Ah, j'étais parti tout seul. Je sacrée intervention, le ballon est perdu. Avec un peu d'espace sur son aile. Attention, méfiance avec ce centre. Je renvoie. Allez, hop, c'est dégagé. Ah non, on c'est prend pas de risque. Ça vient au péno, ça. Le tir. Ah, c'est... Ah, oh, le match de compliqué là! Et il n'y a que lui pour nous faire ça! T'as même plus de finition que moi. Ouais. C'était le seul moyen, je pense, de marquer un but parce que là c'est compliqué. Et les buts de la saison. Voilà le match. Non, il a déjà marqué. Le premier but de cette rencontre. L'action se poursuit dans le camp adverse. Il va falloir déclencher là. À deux doigts de marquer son deuxième but du match. C'était sans compter sur le gardien. Il a eu le dernier corner sur cette action. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Ah, merci. Il a ramené. Oh, la tentative lointaine. Ouais, bonne détente verticale pour aller chercher le ballon. Ouais, le gardien renvoie, mais ce n'est pas fini. Allez, non. Voilà qui est bien défendu, c'est bien joué. Oh, vas-y. On frôle le cadre. Ah, ils ont de la chance en face. À cette distance, tu dois privilégier la précision sur la puissance. Puissante mais pas précise. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Allez, coéquipier, récupérer. Quelle ambiance ici, c'est incroyable. Dans les tribunes, tout le monde s'est levé. C'est tout le stade qui monte. Attente, regardez ce qui se passe. Eh oui, le danger qui est écarté. Et vu le peu de temps. On tente tout, mais le mec il arrête corner, tout. C'est la victoire quasi assurée. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Il arrête. Difficulté sur cet arrêt.
Mais c'est une très bonne anticipation pour venir couper la trajectoire. Ah ouais, c'est une bonne équipe. Ah, il pousse, il pousse. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Ou la frappe. Ah, le gardien fait ce qu'il faut. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Ça va vers le point de pénalty. Cette fois. La faute est sifflée. Oh, faute. Ça se terminait sur 1-0. Heureusement, on se qualifie. Plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire. C'est fait, victoire 1-0. Temps réglementaire et une qualification acquise sur leur terrain. Face à Tromsø. C'était bien le quatrième et dernier match, celui-ci. Je crois que... Vérifier quand même. Qu'on se qualifie pour les demi-finales. Le prochain match, ça sera l'Istrom, ouais. Je crois que c'était... Ah, c'était chaud. Ouais, c'est ça. On avait bien fait les 4 matchs, donc on va se laisser là. Donc Viking est leader pour l'instant, donc maintenant il ne faut plus lâcher cette place. C'est une place en tour préliminaire de Ligue des Champions qu'on est en train d'aller chercher. Ouais. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner pour la suite de cette carrière. 3 joueurs. A plus. À plus.